نبغى كان نمسلي اكثر في المحركيه ناس الموتوريه البحريه عندي صوت لقديش صوره يعني هذا المحرك البحري اللي كما نقولوا تم صناعته مؤخرا وين وصل وكيفاش راح يتعاملوا يعني مع هذه المساله. هذا المحرك البحري راه ديجا اوبيراسيونيل او نيفو دو بور دعنبه في ميناء عنبه راه ديجا راه يمشي وراه متيليزو فيه دونك سي اون بروميير ايتاب هذا تسمى مرحله اولى dans le cadre de la construction navale, parce que la construction navale, c'est une construction dont le gouvernement est c'est un premier pas, on a pu réussir. Il y aura d'autres types de moteurs qu'on va lancer avec les différents. C'est 100% algérien, c'est vrai. C'est 100% algérien. Pour le moment, le taux d'intégration au minimum. En plus, le prix. Nous avons réduit le prix à presque 75%. Si on compare le prix qui est importé à 10 millions de dinars, 1 milliard de centimes, ou à 2,5 millions de dinars, c'est déjà un grand pas si on prend en considération que ce type de moteur il est déjà importé. نمد الناس الصغيرية باللي الموتور كي غدوينا غيكس عنا زال مقرن داكي غدوينا دا غير غادي سنق سن يعني غادي يزيد نتا غسيت مورا غن البراني غدوينا غادي فكاي افوس ذا فود اي ثم ستاكي غن لي موتور غادي توصل عنا داكي غادي تموثنا غن الجزائر ما الصغريب دا غن يعني اطاس نتكوبانيين اي قدران يعني لي حالا كوران اللي دغان ثالثة كي غن الكوفيد دا شو غي خدم تا ستاوي تاكي غن الصنعة اكني تغال يعني غتستخدم تيكوبانيين كي غدوغا انت الخدمه انت ديت بناتيني لها شفنا السي غريب يعني كما نقولوا في مجال جائحه كورونا كانت المؤسسات الصناعيه عانت بزاف كما نقولوا من هذه الجائحه واش كان العمل تاع الجامعه الصناعيه باش كما نقولوا تمد الدعم لهذه المؤسسات الصناعيه في الجزائر. شوف حنا ممكن من المؤسسات القليله اللي خدمنا في وقت الكوفيد وكنا اجبنت كاتونيتي ديسبونيبل donc qui m'a dit que sans parler de l'effort de la production du gel et tout ce qui en suit après la commune de Tarna est le référentiel des compétences des métiers de l'industrie qui concerne un outil très important pour le GACU le Jamia Sinaïa bien nous le référentiel des compétences qui m'a dit que c'est la mémoire vivante de l'entreprise il y avait قبل كان مشكل تاع التكوين. Donc la formation était d'une façon aléatoire, il y a une tariqa achwaïa. L'astuce et ce qui a distingué le travail du GACU, ou chez c'était un travail de proximité. Les ingénieurs, les experts. Donc tous les programmes qui ont été élaborés, et je dis bien des programmes dans les métiers de l'industrie, tous les programmes étaient élaborés d'une façon très détaillée, techniquement. Une chose qui n'a pas été faite depuis, je dirais, même une trentaine ou une quarantaine, depuis les années 70, il n'y a pas eu un travail pareil. On a pu numériser aussi, ce qui donne la force à cet outil de travail, de développement des compétences, c'est que la numérisation, ce qui va permettre ce qu'on appelle l'antidote de la déperdition du savoir. Donc, premièrement, c'est pas d'une façon aléatoire. Donc, que ce soit le Sherikat, l'homme à dire de Stamon, ou même pour les étudiants, parce que les étudiants, il y a un problème, ce qu'on appelle le dépaysement. On a eu une expérience très importante au niveau de l'usine de Bellara, du complexe sidérurgique de Bellara, le complexe algéro-qatari. Donc l'usine a une expérience très importante, c'est que nous avons associé les experts de l'usine avec des docteurs de l'université de Gigi, et c'est eux qui ont élaboré ce programme-là. Donc ça a été validé conjointement. C'est une première. Jamais de valider des programmes de formation entre les deux institutions. Deuxième des choses, nous avons élaboré ce qu'on appelle pour la première fois des programmes de recherche. Parce que toujours, on se plaint. Les laboratoires ou le Sénat. Donc nous avons constaté
les premières thématiques de recherche, يعني on peut dire المشاكل التقنيه اللي عندنا في المصنع واللي قادره on peut faire appel à l'université pour donner des solutions. Donc c'est pour bien cadrer l'effort de la recherche. وكاين هذا العمل اليوم كما يقول الميدان الصغير يعني على دوك اللي كما يقول يستفادوا من هذا كما يقولوا سواء المؤسسات تستفاد من الخبرات كما يقولوا تاع الكفاءات الجزائريه ولا ميم طلب يعني يستفادوا كما يقولوا على على اشاك فوا لو وين يكون عندنا خدمه ما بين الجامعه والصناعه on insiste toujours à la fin de la coopération يكون au moins un recrutement تاع 10 étudiants. D'une façon symbolique. La valeur la plus concrète de tout ça, nous, Talabar, on a des programmes de formation selon les besoins de l'industrie. Donc, on va éviter ce qu'on appelle le dépaysement entre l'université et le secteur industriel. Deuxième des choses qui est importante entre l'université, c'est que, par exemple, si on prend l'usine de Blala, en matière de maintenance, il y a des spécialités qui sont l'artisanat. Même à l'échelle internationale, des spécialités qui sont rares. Il y a des spécialités, mais vraiment, ça demande une expertise bien là. Donc, c'est pour la première fois qu'il y a eu un accord entre l'université de Jijin et le complexe de Blara pour que les experts de Blara se déplacent à l'université pour transmettre ce savoir. Ça, c'est une première. Demain, au niveau de l'usine de Blara, on va la généraliser. وين اتس نل فيدا افين يعني القديش هي نوسنا مي نصنع دي اثمرتنا اسقسي نوض نظن مس غريب سيفيا دوينا ديما كي نوض متسلعين مكني اديلين وخلا يون نسقمون على ين نص صنع لما ندى مسا يدرى ندى الصوت مسيا ديما سي غريب سيفيا يعني تنادون لانشاء المجلس الاعلى للصناعه والامن الاقتصادي واش نقدروا نقولوا اليوم على هذا الموضوع. Concernant cet appel pour la mise en place de ce Haut Conseil de la sécurité industrielle, Ali, c'est Majet Chagvek, d'une façon aléatoire, Ali, c'est une petite expérience que j'ai eue personnellement. Comment j'ai eu cette idée, comment je, à chaque fois je demande que ce type de conseil, pendant la réalisation, justement avec la Direction générale de la recherche scientifique et développement technologique, في عملية إنجاز أول بئر بترولي باستعمال أسمنت جزائري. Nous avons réalisé le premier puits de pétrole avec un ciment algérien qui est actuellement certifié API, American Petroleum Institute. J'étais le chef de projet, j'étais l'initiateur du projet. Vu le problème qu'on a eu, donc il y avait un problème de coordination entre les secteurs. L'essentiel, c'est il fallait يعني vraiment faire beaucoup d'efforts. Le ciment pétrolier algérien est certifié. Donc, j'ai vu selon cette petite expérience que la nécessité d'avoir un conseil de sécurité industrielle pour gérer les projets stratégiques, et je dis bien les projets stratégiques, et qui demande une coordination intersectorielle. Donc, ça serait bien s'il y aura une institution de souveraineté qui gère ce type de projet, comme ça on peut même avancer. Parce que toujours, nous avons un problème de coordination qui empêche pas mal de projets de se lancer. Donc, la nécessité d'avoir une institution de souveraineté qui gère des projets stratégiques et qui peut vraiment coordonner de façon efficace entre les différents secteurs, ça sera une chose qui va on a eu vraiment un coup de pouce énorme. يعني الجامعة الصناعية مع الطاقم تاع في مع الوزير الصناعي الحالي الحمد لله راهو عطي كل دعم للجامعة الصناعية وراح يشوف نور هذا المشروع ولا
Inch'Allah, là, on a demandé ça, fait de ça, ça fait, je pense, 2018 ou 2019, on a demandé ça, donc ça fait 3 ans. Inch'Allah, on insiste à chaque fois pour que ce type d'institution, ça sera trop bénéfique pour l'économie nationale. تبغي ما أدخل قم لي غتصنع من حاجة التجري إن بقي عن صبحي في وسقي ما زالت في ملدي دوانا سريدة في مطاف ويسين إن بقي نغد ما صغريب سيفي غد نتا إذا من هال علي السدة ويث النص صنعة يكتبعني وغليف نص صنعة قيم كندي نغد نغد كيان لوقت كي إن بقي عن صبحي في وسقي ما زالت في ملدي دوانا سريدة في مطاف ويسين إن بقي نغد ما صغريب سيفي غد نتا إذا من هال علي نسدا ويث النص صنعة ذي ثمثنا وذنسات يعني يكتب عنا غير غر وغليف نصنع ما صغري يبدا غير نسقسينا مزال نسقسينا نظن دوينا يعنان اس يعني غامي كادين سفايد ماشي غير سي الكفاءات نيغس لي كومبيتونس يقلان دا كيغ ثمثنا ولا يعني غنسوي حنا غيكتدان ديت موران البرانية ذا شو ميداهيل ذا شو القدي شنو ديت مسلتا كيغ يعني كيفاش نستفادوا ماشي غير من الخبرات والكفاءات الجزائريه المتواجده داخل الجزائر ما يعني حتى المتواجده في الخارج ما هو عمل الجامعه الصناعيه في هذا المجال احنا parmi les axes stratégiques qu'on a mis ensemble qu'on a proposé c'est mettre en place ce qu'on appelle les annuaires stratégiques d'une industrie nationale يعني الاستراتيجيه للصناعه الجزائريه parmi les annuaires stratégiques qu'on a proposé nous avons proposé l'annuaire premièrement des inputs c'est-à-dire l'annuaire des produits importés. Et lorsque je dis un produit importé, c'est pas seulement, on va se baser sur ce qu'on appelle la liste des douanes. Oui, c'est important en matière de connaissance du coût, mais on veut aller plus loin que ça. Nous, l'annuaire stratégique des inputs, avec le maximum d'informations qu'on peut avoir sur ce produit, c'est-à-dire la fiche fournisseur, la caractérisation et l'analyse du produit en s'associant à des centres de recherche, dans le cas où on ne connaît pas ce type de projet, de produit plutôt. Donc l'annuaire stratégique des inputs, c'est-à-dire en matière de consommation, de prix de revient, de la composition du produit importé. Il y a deuxième annuaire, c'est l'annuaire des outputs, دليل المواد المصنعه محليا وشنو نخدموا او نيفو دي زوزين باسكو لو كومبل لو بروبليم سي كو دي فوا ما عندناش وشنو اون سو ريفير ا دي امبورتاسيون الوغ كو لو ميم برودوي بي اتر فابريكي ايسي اون الجيري اي اون افي دي بليزيور كاس سور سا دونك افيك توت لي ديتاي اي لو تروازيام انيير كون بروبوز سي لانيير دي كومبيتونس اي لوسكو جو دي كومبيتونس سي با ان سي في. La compétence, c'est dans le domaine de maîtrise. Donc, et lorsqu'une compétence, c'est-à-dire des compétences locales, on a un très balat. Nous avons un très balat. On a fait appel à leur service, les Aïtnalom, où ils ont venu, où ils ont fait des conférences, d'une façon vraiment très bénéfique pour leur. Les entreprises et pour cela je donne un exemple d'une compétence algérienne qui a réalisé le plus profond puits de pétrole en offshore à part les Américains les Fatou, c'est un Algérien l'Arabie Saoudia. On a fait appel à lui, il a dispensé 3 jours de formation au profit des cadres du JICA. Et en plus de ça accompagnement, ce qu'on appelle la Bible de la cimentation des puits pétroliers. Donc c'est ce type d'initiative qu'on veut à chaque fois et encourager. Quelle autre chose que je voudrais vraiment insister, c'est qu'il faut dire la vérité telle qu'elle est. Les compétences là à l'étranger, ils étaient un peu déçus. À chaque fois, il n'y a pas vraiment une vraie collaboration. C'est juste des cérémonies. Donc là, l'approche Tanas, elle est ce qu'on propose, c'est que lorsqu'on fait appel à une compétence, qui est une compétence, pour un projet bien précis.
et toujours dans l'esprit gagnant-gagnant, malgré qu'il y ait des compétences qui sont volontaires, mais je préfère toujours dans l'esprit gagnant-gagnant. Et qui j'ai une compétence algérienne, là, il ne faut pas que j'ai beau bichidé ou hafla, il faut que j'ai beau pour un projet bien précis. Voilà, il faut fixer des objectifs. Un projet fait l'énergie solaire, sur le plan opérationnel. Mm-hmm. Il ne faut pas juste une rencontre, parce que c'est bon pour les rencontres, ça, et c'est, on a dépassé ça. Donc il faut passer à des choses plus opérationnelles. Lorsqu'on ramène, on fait appel à des compétences algériennes, c'est pour des objectifs bien précis. Mm-hmm. Et le programme que vous avez fait dans ce domaine, il y a un futur, il y a un futur, il y a un futur. Pas loin de la semaine passée, on a donc avec des compétences, une compétence algérienne qui nous a proposé un projet très très bénéfique pour le pays et qui sera très stratégique pour le pays. C'est le contrôle de la conformité des produits importés et des produits exportés. Alors on a fait des négociations, inchallah, pour la création d'un centre d'homologation et de certification algérien au niveau local, inchallah. C'est une compétence algérienne qui a donné son feu vert pour nous aider. Voilà, inchallah, en phase de négociation pour mettre les mécanismes de mise en place de ce type d'institution. Et à ce moment-là, on va épargner beaucoup, beaucoup d'argent en matière d'expertise étrangère pour le contrôle, que ce soit des produits importés, comme ça on ne va pas recevoir n'importe quoi, et même pour qualifier le produit algérien et le préparer à l'export. Inch'Allah, c'est un projet, on m'a dit que ce soit un petit fif en négociation, inch'Allah, ça va être très bénéfique pour le pays. وقتاش ربما النتائج اللي احنا ان شاء الله كما نقولوا ال كما نقولوا لو كونسيبت اللي بري دونك اون فوا دوك كي باسكو اون تو با اتر سول اون فوا احنا شوف توجور في الجامعه الصناعيه لابروش تاعنا كومون الي فات احنا لا فيزيون الي غروند مي اون كومونس افيك دي بروجي بيلوت باسكو لاندستري الي فاست الصناعه راهي كبيره ما نقدروش ناتاكيو اشاك فوا دو فاسون جلوبال دونك احنا رياليزو ان بروجي بيلوت مشروع نموذجي qu'on va dupliquer pour les autres. Donc, Inch'Allah, ça va être par un choix d'un projet pilote. Il y a une chose qu'on va faire. Ndiroubi est ce qu'on appelle le success story. Ndiroubi est un mot de sa nageur. Ou bien, Inch'Allah, ça va être généralisé pour tout le monde. Inch'Allah. Mais ça va être un peu plus tard. Je vais vous dire que je vais vous dire que vous avez fait un peu plus tard. 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 Vous avez fait un peu براني دوينا ان شاء الله هذه فن ثفات السنقيه ايدي تدون دوينا نفقد شم بقس وحين ديون نموسنا وثمرتنا من الجزائر اكتدرن ديث مورا من براني اسقسين ما ظن ما صغري بسيفي دوينا ايغعنان اي درانس دي كونفونسيون دي كونترا من قلان قال الجامعه الصناعيه هي تداوي نطن ديث مورتنا هناك اتفاقيات يعني عديده بين الجامعه الصناعيه والجامعات الجزائريه نقدروا نتحدثوا عليها يعني احنا توجور نوتر بوليتيك سياسه تاعنا اون سيني با بور سيني ما نقولوش باش نديرو اون فابر احنا اون سيبل البارتناريا اون سيبل كيما لي كونفونسيون سي اون فا بارلي باغ اكزومبل دون لو دومين اغرو اليمونتير نوز افون لونيفرسيتي دو بليدا Pourquoi nous avons choisi l'université de Blida? Parce que l'université de Blida, il y avait auparavant l'école de la meunerie, l'école des meuniers, il y a une madrasa dit dans la meunerie, les cantes fibres d'Akhmel, même les Africains qui ont joué à l'Ukraine. Normalement, Inch'Allah, avec le Raïs Jamiat Blida, on a eu l'accord qu'on va lancer ensemble cette école de la meunerie et tout ce qui est destiné à l'agroalimentaire, donc tout ce qui peut concerner que ce soit la formation, que ce soit la recherche et développement en matière de l'agroalimentaire. Et nous avons fixé comme projet, le premier projet qu'on veut lancer avec l'Université de Blida, c'est la fabrication d'une farine à usage exclusivement panifiable. Il y a une farine qui est terminée de l'Okhobz, Inch'Allah. Ça sera un projet qu'on va lancer avec l'Okhor, le Jemaat Blida. Et qui me goulou, on n'en parle pas sur le bénéfice que peut avoir le pays en matière de subvention de la farine. Mm-hmm. Donc c'est un projet, Inch'Allah, qu'on va lancer et où on ne va pas inventer le fil à couper le beurre. C'est une technique qui est connue. Donc, Inch'Allah, on va.
le réaliser ici en Algérie. Si on prend par exemple l'université de Constantine, Mentouri 1, c'est tout ce qui est l'industrie mécanique. Voilà, l'industrie mécanique, vu le potentiel du parc technologique industriel en mécanique à Constantine. À Naba, tout ce qui est métallurgie, Jiji, tout ce qui est métallurgie. Tébessa, nous avons signé avec l'université de Tébessa dans le cadre du projet des mines. Donc nous avons ciblé les partenaires. Donc, lorsqu'il y a, on constate, où il y a un projet qui a été déjà lancé, en quelque sorte, nous avons mis le socle de coopération, c'est la création des pôles technologiques de développement industriel. Donc nous avons signé, ça fait en 2019, nous avons signé la création de 5 pôles technologiques en matière de céramique, de mécanique, la mécatronique, de tout ce qui est agroalimentaire. Ce qui est bien dans cette signature, la création des 5 pôles technologiques, donc à Menor Qaïda, Péchinko, vraiment une vraie coopération. Ce qui distingue cette signature, c'est que le secteur de la recherche, dans chaque convention, ils ont recensé les compétences humaines et matérielles que la recherche va mettre à la disposition de l'industrie. Donc, si je parle de l'agroalimentaire, il y a où on a les laboratoires, où on a les compétences, les professeurs, les docteurs qui peuvent vous aider. Ça, c'est ce qui est vraiment, je considère que c'est une première étape très importante. Donc, nous avons mis les moyens mutuels entre les deux secteurs. Inch'Allah, ça va être en 2022 pour lancer au moins 2 ou 3 sur 5 pôles technologiques réellement qui seront réalisés sur le terrain. دونك تتدور الامكانيات الماديه والبشريه تحبسوا ايضا على كيما نقولوا الاطار القانوني اللي كيما نقولوا وقف عليها الجامعه الصناعيه وديما كيما نقولوا سمو تعاودوا باش يكون هناك اعاده النظر في هذا شوف لاكتواليزاسيون لازم على شاك فوا باسكو تو ديبون لاكتواليزاسيون الي لي او تيب دو بارك تكنولوجيك اندستريال à chaque fois dit une machine jdida ou la dit une technologie jdida, là il y a ce qu'on appelle actualisation. Même au Mafel Jamia, s'il ramène d'autres équipements de caractérisation et d'analyse, donc à chaque fois l'actualisation elle est indispensable, même en matière de compétences, à chaque fois le Jamia a des nouvelles compétences qui apparaissent, et à ce moment-là, Inch'Allah, à chaque fois, disons chaque année, on fait une actualisation. دونك كاين كيما نقولوا سمو بركي اعاده نظر في الاطار القانوني للجامعه الصناعيه اليوم سي غالي جوستومون حنا درك الجامعه الصناعيه لو ستاتي جوريديك ايتي ان جي يو بوركون دي تيلي ايكونوميك دار لا ان شاء الله بور بيانتو سا فا باسي اون اس بي ا سوسيتي بار اكسيون كوم سا كيما لا ميم اون اورا بلوس دو فليكسيبيليتي في الاكسيون ويكون عندنا بلوس دو بارتنير ان شاء الله اون فا لي لارجيغ مس غريب اثنين دفيني عنان يعني اتفقت ني دي كونفونسيون يتسعيم سيني ما تصل اتفقت الوطس نسداويين ام ديا تسداويت البليده تينا غيعنان فتفلا تسداويت دا غن كونستانتين تينا غيعنان فيني عنان حريش الله ميكانيك وتنمد باللي غادي ما تنادي لي تزوره دا شو ما يتحوج قبل الصنعه ومن بعد يعني غتروح تسجدم تاويلات الى قنا مره ما دا قلايم دانا ولا دا تاويلات يعني ماتيريال فين يعني يكتحوج حريشه كي نصنع اسخسي نظن مس غريب بدوينا اي قلان اي دران تي خبانيين تولا بلي غنساكي غنتيديرن تلي حالا وكعرن ذا شو يتخدم ما كني غنتيلي التنافس ديال الخبانيين دي ثمرتنا يعني اليوم نشوفوا بلي هناك اعاده يعني العديد من المؤسسات خاصه اللي كما قلت اثرت في جائحه كورونا هناك العديد من المؤسسات يعني والمصانع اللي افلست ربما وصلت كما نقولوا سموش العمل تاع الجامعه الصناعيه في هذا المجال باش تخلق يعني هناك ايضا تنافس ما بين المؤسسات. احنا الجامعه الصناعيه جو ديري توجور نقول لهم سي لا ماتيير غريز كما يقولوا الجانب كيما اللامادي يعني سي البحث تطوير الاطارات بروبوزي دي نوفو برودوي دونك احنا توجور اوني en permanente activité de recherche des solutions techniques, des solutions pédagogiques. Donc, à chaque fois, là où on constate, on n'hésite pas. À chaque fois, on propose des solutions à nos différentes entreprises. Parce que, la situation. Parce que. Je dirais toujours l'industrie algérienne c'est un géant dormant toujours le Sarjzaïlia Inch'Allah Qadar Tanath
كما يقولوا مي يفو ماتا الميكانيزم ريال اي اوبيراسيونيل دونك كي تجي تشوفي القطاعات يعني تستثني قطاع ولا زوج باقي القطاعات كاين عندهم حمل ثقيل دونك يفو فريمون فير ان غون ايفور بور لي رونسي مي سكي اي بيان الحاجه اللي راهي مليحه في الصناعه الجزائريه سي كو لو سوكل دو لا باز الي توجور دونك اون بي اكسبلواتي كو سوا en matière de foncier industriel, en matière d'équipement. Je pense l'industrie algérienne, et j'y crois même, que l'Inch'Allah, bien sûr, le Sénat Jazaïri a beaucoup de force, mais je t'entends de nous dire qu'il y a une qaïda de Sénat. Donc il suffit de l'actualiser, il suffit de diversifier le partenariat. Il y a une mouqawima, Inch'Allah, pour nous donner le Sénat, nous donner le Sénat, nous donner le Sénat. وما هي كما نقول هذه الإمكانيات لازم نوضعوها اليوم لأن مما رئيس الجمهورية تحدث على عام الصناعة وش هي الإمكانيات لازم نوضعوها اليوم صغريب يعني باش نوضو ونديرو كما يقولوا اسمه ربما قفزة نوعية في هذه الصناعة الجزائرية شوف avec ma modeste expérience يعني بتجي في احنا هذا وش حابين نستفادوا اليوم شوف si on va prendre vraiment et réellement la ressource humaine et encourager la ressource humaine parce que quand on voit les usines des fois on voit des usines qui ont des machines de dernière génération mais malheureusement on a gardé une série des fois de façon rada donc la compétence et la ressource humaine l'encourager en matière et lui et doter la compétence avec des formations utiles et vraiment lancer la recherche parce que la recherche sauf on peut avoir la dernière génération des produits et des équipements. S'il n'y a pas une politique de recherche et développement et d'innovation, on ne peut pas y aller loin parce que les produits et les équipements, après les 3, 4, 5 ans, ça va devenir obsolète. Oui. Donc, je pense, l'âme et le bachari, la recherche et le développement, ce sont les deux axes. Vraiment, mais d'une façon réelle. Les programmes de formation, ce n'est pas un remplissage de canevas. Les programmes de formation, il y a des standards pour élaborer le programme. Les programmes de recherche, il y a des standards. L'innovation, il y a des mécanismes pour encourager l'innovation. Les gens, ça fait du même, vraiment, si on veut lancer l'industrie. مس صغريب بسي فيتنا مدة فيني يعني غا كنيا سنرني غا حريش نصنع في مورت المغربي نتكي في تزوارا ذك كوان أكني أد نكون يعني لدخل ما في تزوارا ومن بعد المسايئة في الصنعة إمي غا سليا ذاين إدي وما نخدم في اللاسة الساتي ذات مس صغريب بسي فيها ذا النهال عليا نس الدويت نصنع ذك وغيف نصنع ذا في المرت من تريد في العرضة شكرا لتلبية الدعوة وإن شاء الله كما نقولوا بالتوفيق في العمل ديالكم كي إذا غني غادي سنة سؤالكم بنيان غتنمير وتوفيق